Messieurs, c'est un authentique exploit qu'a réalisé votre équipe aujourd'hui. Effectivement, oui, c'est vrai. On fait un très bon match et c'était pas évident au départ. Remonter 16 points en rugby, ça peut être facile ou ça peut être aussi compliqué. Donc, avec beaucoup d'abnégation et un peu de réussite sur la fin de match, on a réussi à faire un très bel exploit et atteindre notre objectif qui était de monter en Fédéral 2. On a mis beaucoup de cœur et les garçons étaient récompensés parce qu'ils ont bien travaillé cette saison et c'est l'aboutissement qui est vraiment extraordinaire pour nous. Moi, je suis encore sur l'euphorie de la gagne. Après, l'important, c'est que les joueurs, ils y ont cru tout le long du match. Parce que quand on a pris l'interception et ils sont revenus à 15-10, ils ont surlevé le défi de mettre deux essais de plus. Quoi. Donc l'objectif est atteint, mais il y a encore du boulot parce qu'on a un huitième de finale à jouer dimanche prochain. Vous allez aller jusqu'où comme ça ? C'est d'aller le plus loin possible. On a programmé au 28 juin, normalement je crois que ce sera la date de la finale. En étant plus raisonnable, on aimerait au moins atteindre le top 10. Donc un quart de finale nous conviendrait, même si après un quart de finale est plus loin du bout, mais ça serait une juste récompense, je pense, vu le travail effectué par les joueurs. Et le staff technique, le préparateur physique n'est pas là, qui s'appelle Patrick d'Hospitalier, qui est aussi important dans la programmation de l'état de forme des joueurs. Ce soir, vous êtes un président heureux ? Plus qu'heureux, comblé. Le club accède à un niveau auquel il n'a jamais joué. On s'approche des 50 ans du club et on arrive à Fédéral 2. C'est le travail de plus qu'une journée, quoi. C'est une saison qui s'est préparée depuis avril l'année dernière, en reconstruisant un staff technique. L'arrivée de Fred Orsini, Georges qui a continué à travailler avec nous, Georges Valiorg. Au-delà de ces deux, c'est tout un club avec ses bénévoles. Qui sont derrière cette équipe première, qui est la fierté du club. Au-delà des résultats, la fierté de porter haut les couleurs d'Aubagne à travers la région PACA et au-delà. Aujourd'hui, on joue une équipe de l'Isère, qui est un petit village, ISO, 2000 habitants, qui avait la ferveur d'un petit village, l'amitié d'un petit village. On leur a prouvé qu'à Aubagne, on avait aussi ce sens de l'amitié. C'est une équipe d'amis qui a gagné aujourd'hui. Au-delà du résultat, c'est les amis aubagnais, les amis du Rugby Club aubagnais qui étaient tous réunis pour cette fête. Les amis du rugby qui étaient sur le terrain, les amis du rugby dans la tribune, les amis du rugby de partout à Aubagne. Voilà.